L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut gérer une newsletter avec l'extension MailPoet pour WordPress. Donc ici j'ai déjà installé l'extension, il me reste dans le panneau de paramétrage des extensions à l'activer, ce que je vais faire tout de suite. Et ensuite, une fois que l'extension est activée, ici je vois apparaître un menu MailPoet et je vais commencer par aller faire un certain nombre de réglages. Avec par exemple mon adresse postale. Donc cette adresse, elle sera indiquée dans le pied de page des newsletters. Alors moi je vais faire simple. Un petit espace où je peux paramétrer, personnaliser le contenu que reçoivent les gens qui s'inscrivent, hein, pour leur confirmer leur inscription. On va dire que c'est le site qui envoie les mails. Là, je pourrais définir les rôles. Par exemple, tous les éditeurs de mon blog, si je veux qu'ils puissent gérer la newsletter, il suffirait que je le clique ici. Une fois que c'est fait, je peux aller abonner les gens à ma newsletter. Alors, il peut y avoir un certain nombre de personnes déjà abonnées. Par exemple, là, l'administrateur du site est abonné par défaut. Vous pouvez importer une liste d'abonnés. Par exemple, si vous avez changé de site et que vous aviez déjà des abonnés, vous pouvez les réinscrire ici. Moi, je vais abonner les utilisateurs de la boîte professionnelle du lycée. Je les mets dans ma première liste, hein, parce qu'en fait on peut faire plusieurs listes d'abonnés et ainsi ça permet de personnaliser la newsletter qu'on leur envoie. Ensuite je vais aller dans newsletter, là je vais aller sur créer une nouvelle, je vais l'appeler newsletter du blog du prof Tim. Classique, ça veut dire que c'est moi qui vais décider l'envoi. Si je mets newsletter automatique, par exemple, tous les mois, une newsletter peut s'envoyer avec les derniers articles de votre blog. Et on arrive ici dans l'interface de MailPoet. Alors, ça c'est le modèle par défaut. Alors évidemment, on peut un peu personnaliser tout ça. Par exemple, ici dans style, on peut personnaliser des polices. J'ai un certain nombre de couleurs, donc je les ai préparées dans un fichier pour les avoir sous la main. J'ai donc des arrière-plans qui sont en rouge, ainsi que les liens. J'ai les bordures de la page qui est en noir, le fond du texte est blanc, la police est noire. Donc je vais jouer sur ces trois couleurs, le rouge, le blanc et le noir, pour paramétrer une newsletter qui soit dans la même charte graphique que mon blog. Ensuite, on peut déposer un logo. Alors, moi je vais aller dans Images ici. Je vais chercher mon image qui va me servir de bannière. Ensuite, par exemple, mettre un lien vers les réseaux sociaux. Alors, il faut choisir un jeu d'icônes. Et puis, il faut aussi paramétrer les liens vers vos comptes Facebook, Twitter, Google+, et LinkedIn. Alors, je peux aussi mettre un lien sur ma bannière. Par exemple, moi, je vais mettre un lien vers la page d'accueil de mon blog. Il reste à insérer du contenu dans la newsletter. Alors, évidemment, je ne vais pas garder
l'ensemble des choses qui me sont proposées là. Hein. Je vais lui demander de mettre un article WordPress ici. Admettons que je vais mettre les 5 derniers articles intéressants de mon blog, enfin qui me paraissent intéressants pour mes élèves. Donc par exemple, je vais y mettre cet article-là. Alors, je peux modifier les paramètres d'insertion ici. Hein. Par exemple, est-ce que je veux l'extrait, l'article complet, le titre uniquement? Bon, là, il vaut mieux mettre un extrait, hein, parce que sinon, si vous laissez tout lire dans votre newsletter, il n'y aura plus du tout intérêt pour vos abonnés à cliquer sur les liens et à venir visiter votre site. Le format du titre, les alignements, voilà, là, tout un tas de possibilités de paramétrage. Retour à la sélection et j'insère donc le tuto sur installer des extensions dans WordPress. Alors je pourrais en mettre plusieurs d'un coup. Donc en fait il essaye de présenter le contenu de mon site à peu près. Donc il me reste effectivement peut-être quelques petites modifs à faire. Par exemple ici je peux réduire l'image. Je peux éditer le texte si je trouve que c'est trop long. Par exemple là il a mis l'intégralité. Donc je vais enlever cette partie-là. Une fois que vous avez terminé le paramétrage de votre newsletter, vous voyez ici, j'ai changé un peu l'arrière-plan, j'ai ajouté un titre ici avec cet outil-là, titre et texte. J'ai aussi remis une autre police, finalement j'ai pris Trébuchet. J'estime que ça me convient, donc je peux faire un test tout en bas en envoyant cette newsletter sur une adresse que j'aurais saisie. Là, je vais faire étape suivante. Et ensuite, je fais envoyer. Et sur le point d'envoyer cette newsletter, veuillez confirmer. OK. Et puis là, bah, le site va se charger d'envoyer la newsletter. Vous pouvez suivre combien ont été envoyés et qui a ouvert, qui a cliqué sur des liens, qui s'est désabonné. Donc là, si je clique ici, je peux gérer un endroit pour permettre aux visiteurs du blog de s'abonner à la newsletter. Ici, dans Formulaire, je vais le modifier. Là c'est la version basique, hein. Il y a juste un endroit où on peut saisir son adresse mail et cliquer sur je m'abonne. Et il y a ici le petit texte qui va s'afficher une fois que les gens se seront abonnés. Ensuite ben, je peux insérer ça dans un widget par exemple dans l'interface de mon blog. Et voilà.